Et ça y est, on va se poursuivre la lecture de cette magnifique enquête du monde euh, sur le sable. Épisode 4, on part en Floride. Donc on a vraiment voyagé euh, avec cette enquête. On a déjà fait trois destinations. On a fait l'Inde, les Maldives, le Groenland. Euh, on avait fait aussi la Gambie. On avait fait euh, les Émirats Arabes Unis avec Dubaï. Et là, allez, on se barre aux États-Unis. On va voir ce qui se passe en Floride. Donc, la Floride, hein, c'est l'état où il y a tous les vieux bourgeois américains qui finissent leur vie. Euh, bon, ça peut être un peu caricatural, mais euh, à peine, quoi. À peine, à peine. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre là La plage a toujours été l'attraction principale de Miami. Mais là, je ne sais pas ce que cela va devenir. Ouh, il y a des soucis avec les plages de Miami. Ouh là là. Ça promet, ça promet. Régulièrement, les plages mythiques du Sunshine State doivent être réensablées. Grignotées côté mer par les courants et les ouragans, et côté terre par les constructions, ce littoral témoigne des fragilités d'une région dopée au tourisme. D'accord. Ils sont comme ça. Ok, ok. Miami, More than a Beach. Plus qu'une plage. Dan gelbert le maire démocrate de Miami Beach, euh, aime à citer le slogan. Même s'il prend soin d'ajouter immédiatement, mais nous ne sommes mais nous sommes d'abord une plage. <laughs> Il assume pas. Dans son vaste bureau d'ailleurs, outre la photo du président Kennedy, s'affiche en grande l'étendue de la plage, des plages devrait-on dire, de sa municipalité. Ce que le poster ne montre pas, c'est que cet atout majeur de la région est menacé et que sur la grève, la frénésie des engins de terrassement. Pour réensabler, côtoie l'oisiveté estivale des touristes, car ces derniers sont essentiels à l'économie locale. Miami reste la photo souvenir assurée, plage, soleil, palmiers et grands buildings de verre qui réverbèrent une, une luminosité intense. Ben, moi, ça me fait pas rêver ça. Enfin, hein. ouais, je sais pas. Vous allez me dire que je suis un montagnard, mais euh, voilà, ça me fait pas rêver ces genres de trucs. Bon, ouais. Oh putain, c'est ridicule. Euh... Dan Gelbert, la soixantaine dynamique, le visage allé comme il se doit quand on vit euh, depuis toujours dans le Sunshine State, l'état du soleil, règne sur cette petite ville de 90 000 habitants, quand sa grande voisine, Miami, en compte 461 000. Mais attends, mais on est où On n'est pas à Miami On est où alors On est à Sunny Isle. Non, la plage de Sunny Isle. On est où alors Je n'ai pas suivi. Euh... Ah, parce que Miami Beach, c'est différent de Miami, d'accord, c'est pas genre un quartier, c'est vraiment euh, un truc différent. Bah ouais, ça a l'air d'être ça. Mais il fait surtout face à la déferlante touristique. De 10 à 15 millions de touristes arpentent ses rues et surtout ses plages chaque année, ce qui fait de l'État la deuxième destination nord-américaine la plus prisée après New York. Les ports de Floride arrivent en tête du classement mondial pour les bateaux de croisière, avec la proximité des Caraïbes et trois terminaux Miami, Port Carnaveral et celui des Everglades, pour un total de plus de 12 millions de passagers. Miami Beach vit donc au rythme du tourisme, souvent tapageur, un mélange de kitsch, de luxe, d'ostentation et de séjours familiaux dopé entre autres par l'immense parc Disney d'Orlando. Ah, mais quelle ambiance dans ces boîtes-là, dis les immenses étendues de sable fin restent la cible première des touristes. Tout le monde aime la plage, mais nous devons nous demander ce que font les gens quand ils la quittent à la fin de la journée, affirme encore Dan Gelber. Et de vanter d'autres cartes jouées par sa ville, comme l'accueil de la finale du Super Bowl, un événement majeur de la planète du football américain en 2020, ou encore l'importance de son équipe de basket, le Miami Heat, une des meilleures de l'incontournable NBA, la Ligue nord-américaine de basket, mais aussi l'investissement important à lieu assure-t-il, dans la culture ou encore dans la mode La dynamique de l'hospitalité est primordiale pour notre économie, insiste-t-il, quitte à regretter l'attractivité de sa région à certaines occasions, comme le spring break, cette semaine du printemps où un grand nombre d'étudiants choisissent des destinations ensoleillées pour se lâcher. Et Miami est un bon spot. Les jeunes viennent ici pour se saouler, ce n'est pas intéressant pour nous. Toutes les villes de la côte détestent ça, assure le maire. La tranquillité avec un grand nombre de retraités de toutes origines doit rester un atout. Ouais, donc c'est quand même bien une ville de vieux, hein. Mais d'accord. La ville doit se réinventer. Miami, c'est donc ce mélange, immortalisé par les images de Scarface, film culte de Brian de Palma en 83, dans lequel Al Pacino interprète Tony Montana, petit gangster qui débarque sans rien de Cuba à Miami et qui se construit un empire autour de la drogue. L'immigration cubaine est évidemment au cœur de l'histoire de la ville quand en 1980 Fidel Castro autorise et organise une émigration vers la Floride toute proche se débarrassant ainsi des opposants et de nombreux de prisonniers de droit commun. Hmm. Miami c'est encore ses nombreux quartiers marqués par l'immigration comme Little Haiti pour les haïtiens, Coconut Grove pour les bahamiens, ses fresques murales de Wynwood et bien sûr les magnifiques immeubles et hôtels Art déco. Beaucoup datant de la reconstruction de Miami Beach après le passage de l'ouragan de 1926, offrant leur palette photogénique de couleurs vives et pastelles. Euh, ça, je m'en fous. Mm -hmm. Pour nous, venir ici, c'est débarquer dans Miami Vice, Scarface, les experts. Le front de mer est aéré et large. On peut se promener et le sable blanc de la plage a un tel cachet. S'enthousiasme Pierre Bourlet et Louise Duval, salariés des douanes en France et qui viennent se... De poser le pied sur le sol de la Floride pour une quinzaine de jours. La plage, c'est notre atout majeur à Miami, ne peut que confirmer Milena Prentz, 43 ans, restauratrice sur Ocean Drive, célèbre avenue de Miami Beach, la plus proche des plages. La ville doit se réinventer, soutient néanmoins Dan Gelber. Pour l'heure, elle doit surtout, comme les communes voisines du littoral, entretenir ses plages, les fournir encore et toujours de sable afin que les grèves tant convoitées ne disparaissent pas. Car de South Beach au sud jusqu'à Hollywood et Fort Lauderdale au nord, les plages sont en souffrance. bar Harbor, Sunny Isle, Golden Beach, les unes après les autres, elles font l'objet d'intenses travaux de réensablement, renouvelés tous les 3, 4 ou 5 ans, car le sable est régulièrement emporté par les courants et les ouragans. La Floride est l'État américain le plus touché par les tempêtes tropicales, dont la saison commence le 1er juin pour finir en novembre, le pic étant souvent en septembre. Ils sont de plus en plus fréquents et souvent plus violents et selon les scientifiques de l'université de Floride, les prévisions se montrent plus alarmantes que celles des années précédentes. Le réchauffement climatique joue un rôle majeur dans cette accélération. On est habitué à ça, hein comme je vous l'ai dit, généralement euh, le scénario qui se passe est toujours pire que le pire des scénarios prévus par le rapport précédent. <laughs> C'est une espèce de faudrait nommer ça, je sais pas comment ça s'appelle. Risque de submersion. Côté terre, les plages ont été largement grignotées par la poussée des grands immeubles. Les hôtels et les grandes résidences ont poussé comme des champignons depuis 20 ans. La plage a toujours été l'attraction principale, mais là, je ne sais pas ce que cela va devenir, s'inquiète Rafael Juarez, un retraité cubain de 65 ans rencontré sur Pompano Beach, avant d'ajouter Mais la plage devrait être toujours là. Ouais, 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 on voit des gens qui crament sur la plage. Pas sûr si l'on en croit certaines prévisions. La Floride a perdu 30 cm de côte depuis 1870 et d'ici à 2060, l'océan devrait encore avoir gagné 23 cm à 61 cm. Alerté dès 2014 l'ONG World Resource Institute, une, orga une organisation spécialisée dans les questions environnementales, fondée en 82. Donc voilà, vous pouvez être sûr que ça va être au-delà de 61 cm. <laughs> non, j'abuse un peu, mais bon. Une prévision inquiétante quand on sait que la ville de Miami ne se trouve qu'à 1,22 m d'altitude par rapport au niveau de la mer. Les risques de submersion sont d'autant plus préoccupants que la zone côtière en Floride concerne les trois quarts des 21 millions d'habitants de l'État. Ah quand même Ah oui Lors d'une audition du Sénat américain qui s'est tenue exceptionnellement à Miami en avril 2014, Bill Nelson, sénateur démocrate de la Floride de 2001 à 2019 et ancien astronaute, n'a pas hésité à évoquer un Ground Zero du changement climatique pour qualifier la situation de la Floride. Dans un tel contexte, la protection des biens immobiliers et de l'économie relève de la priorité. Lors de cette session extraordinaire, une somme avoisinant les 15 milliards de dollars, autant d'euros, était évoquée pour la valeur totale des biens immobiliers menacés à Miami. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Ne bougez pas. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Euh, là, là, là. On comprend mieux alors ces immenses chantiers, renouvelés année après année sur les plages de Miami Beach, réduites au fil des mois et des années de plus de 2,50 m. Celle de Ballarbourg fait l'objet cette année d'un programme de Deux 2,50 m de perdus ben, C'est ouf Sur la plage, en cette fin avril, de gros camions et des pelleteuses sont à l'œuvre pour enlever les tonnes d'algues qui se sont déposées sous l'effet des vents et des courants. Le balai est incessant. Et des plaques de rouage ont été installées sur le sable pour permettre aux lourds engins de circuler. Des panneaux jaunes, fluo et orange aux extrémités du chantier alertent touristes et résidents que celle-ci est condamnée. Un travail indispensable et préalable à tout dépôt de sable frais. Ouais, ça me fait penser un peu aux aménagements pour les, ski, pour les pistes de ski de piste. Hein. Vraiment, c'est des engins comme ça ils arrivent, ils défoncent la montagne pour faire des pistes. Mais ça, les touristes, ils ne le voient pas. Viennent ensuite les travaux de refondation de la plage, conduits pour trois des projets sur Miami Beach par le Continental Heavy Civil Corp. Et surtout, sous la responsabilité opérationnelle de l'armée américaine, plus précisément le corps du génie, l'USAS. Une présence sur ce dossier de rechargement des plages qui dure depuis 50 ans. Ça c'est ouf. Euh, allez, point biodive. Relocaliser les tortues. Dans les locaux du CHC, des baraquements provisoires installés près de la plage où sont stockés les équipements de sécurité obligatoires, casques et chaussures, la machine à café et les indispensables bouteilles d'eau, le soleil étant éprouvant sur la plage, des plans indiquent l'avancement du chantier sur les différents secteurs. Un épais cahier précise aussi tous les aspects techniques et réglementaires des travaux. Les contrôles sur la qualité du sable, sa granulosité, sa couleur selon le nuancier Munsell, le système d'identification le plus reconnu aux États-Unis, élaboré à la fin du XIXe siècle, ou encore sa teneur en carbone, tout comme les innombrables règles administratives ou conseils de sécurité. On y trouve aussi la marche à suivre s'agissant du respect de la biodiversité. Dans ce cahier à usage interne sont ainsi indiquées les mesures à prendre pour protéger les tortues, dont plusieurs espèces sont présentes ici. La kawane, la tortue lutte, la plus grosse pouvant atteindre de 500 à 700 kg, ou encore la verte. Il est prévu de les relocaliser si nécessaire, tout comme est mentionné le respect de, des lieux de nidification des nombreux oiseaux croisés sur ces littoraux. Les travaux doivent se faire sous la supervision de spécialistes de ces espèces et, pour commencer un chantier sur un secteur, l'aval de trois agences fédérales est nécessaire, dont celle consacrée à l'environnement. Dès que l'on voit des tortues, nous arrêtons les travaux, assure Hector Sevilla, 42 ans, responsable qualité travaux depuis trois ans pour le CHC. Mm. Un système de mesure permet aussi de vérifier le niveau des vibrations occasionnées par les travaux. Si elles sont trop fortes, cela risque d'ébranler les fondations des immeubles construits en bord de plage, précise-t-il. Wow. La noria des camions apportant le sable est incessante, tout comme les mouvements des pelleteuses déposant le matériau et aplanissant la plage. Les chiffres donnent le tournis. Pour moins de 40 mètres d'élargissement de la plage, il faut compter quelques 153 000 mètres cubes de sable. On a besoin de 200 camions pour nous livrer quotidiennement, mais là, on n'en reçoit qu'une centaine, tant la demande est grande avec tous les chantiers de réensablement et de construction, précise encore Hector Sevilla. Pour la totalité des 16 km de plage de Miami Beach, la quantité globale de sable nécessaire est estimée à près de 640 000 m3, et les sommes investies, prises en charge majoritairement par l'État et le comté de Miami-Dade, avoisinent les 40 millions de dollars pour l'ensemble des programmes. Mais, tient à préciser Loreno Santana, 37 ans, ingénieur de l'armée, pour 1 dollar investi, cela rapporte 5 dollars à l'économie locale. L'approvisionnement en sable s'est fait, voici quelques années, au large des côtes. Mais précisent précise les opérateurs des différents chantiers, il faut aller de plus en plus loin au large et le coût devient prohibitif. Cette prise de sable au large de la côte, si elle est légale et malgré un encadrement environnemental strict, a fortement endommagé les écosystèmes marins. Assis paisiblement sur la plage face à l'océan, Chris Gonzalez, 36 ans, qui travaille dans le bien-être et la santé, déplore ses travaux. Quand j'étais gamin, il y avait une barrière de corail juste là, à quelques dizaines de mètres, mais les extractions de sable réalisées depuis une vingtaine d'années ont tout détruit, et les plages sont envahies d'algues que plus rien ne retient en mer. Il faut sans cesse les enlever, explique-t-il. Voilà donc. On a un exemple de service écosystémique fourni par le corail, donc retenir les algues qui n'est plus fourni parce qu'on ben, l'a défoncé. Défilé de gros camions. Il est plus facile et moins coûteux d'aller chercher le sable à l'intérieur des terres. Pour le secteur de Bâle-Harbour, c'est l'entreprise Garcia Mining qui fournit le précieux minerai. Sur le 41 l'autoroute qui relie Memphis à Naples, sur la côte ouest de Floride, donnant sur le, Mexi le golfe du Mexique au petit matin. Le défilé de gros camions chargés de sable est permanent. Ils arrivent souvent vers minuit et attendent le petit matin pour pouvoir charger. Plein, ils pèsent quelques 22 tonnes, un poids vérifié quand ils passent sur un pont bascule. S'ils sont trop lourds, on enlève le surplus de sable. Tout est scrupuleusement contrôlé, d'autant que les chauffeurs sont parfois payés à la tonne. Ils peuvent aussi être rémunérés au voyage ou au kilomètre. Ils peuvent pas avoir un salaire normal, quoi, payé par un employeur, bordel le sable, ici, fait l'objet d'un intense commerce. Jusqu'à 100 000 tonnes de sable sont extraites par mois, mais cela dépend de la demande, précise Josh Kellam, 36 ans président de la Garcia Mining Company depuis 4 ans. Et cette dernière augmente fortement. Le besoin de sable a fortement cru, et le prix aussi. La tonne de sable coûte autour d'une quinzaine de dollars, avance-t-il, et les perspectives se multiplient. Nous sommes spécialisés dans le réensablement de la côte, mais notre sable de qualité sert aussi pour les terrains de golf. Le sable blanc pour les bunkers, des fosses des sables, la maçonnerie ou encore la décoration avec la, confec la confection du stuc. Les ouragans qui balayaient régulièrement les côtes fournissent aussi de bonnes occasions en emportant le, le sable des plages. Ouais. La carrière de Garcia Mining. C'est vrai qu'il a l'air vraiment, vraiment beau ce sable hein, quand même. Dans le centre de la partie sud de la Floride, en pleine région Séminole, un peuple amérindien que l'on retrouve aussi en Oklahoma, Garcia Mining, euh, hein, hein, fait partie d'un vaste complexe agricole depuis plus de, de plus de 6000 hectares, qui produit des tonnes d'agrumes, de fruits, de légumes dans une démarche environnementale, <laughs> entre guillemets bien sûr, revendiquée par Josh Kellam. Créée en 2004 par Eddie Garcia, la compagnie ne s'est intéressée que tardivement au sable, vers 2018. Pour répondre à la demande grandissante, on trouve de très nombreuses compagnies de production de sable, mais toutes ne sont pas respectueuses d'un modèle d'exploitation durable, insiste Josh Kellam. Donc ils nous ont attendu que ce soit rentable, en fait, pour le vendre. Je, je fais un petit coup de traduisons-les. Euh, L'eau est partout. Au cœur des 243 hectares occupés par la carrière qui emploie une vingtaine de personnes. Domine d'impressionnantes collines de sable blanc de plusieurs dizaines de mètres de haut, surmontées de trémies et de tapis convoyeurs pour l'acheminer jusque dans l'ébène des camions. Dans d'immenses mares d'eau, de gros tuyaux permettent d'évacuer l'humidité du sable. Avec le soleil, le taux d'humidité est réduit à 3 ou 4 ainsi que l'eau avec laquelle il est nettoyé. Euh, Celui-ci doit être le plus sec possible afin d'être transporté puis disséminé sur les plages. Ouais, déjà, il est moins lourd, le, le sable sec. Donc, il peut en transporter plus. Euh, plus. Ah ouais, ça donne ça. Hmm. Ben voilà. Humide, il pèse beaucoup trop. Précise Attila Sux, un robuste gaillard hongrois d'origine 44 ans, casque marron sur la tête, protégé de la luminosité du sable par d'épaisses lunettes de soleil. Opérateur sur le site, il détaille avec fierté la qualité du sable extrait ici. C'est du sable silicieux, naturel. On le nettoie plusieurs fois. Les déchets végétaux ou minéraux sont écartés. La granulométrie est vérifiée quotidiennement car les grains ne doivent être ni trop fins ni trop épais. Mais cela dépend bien sûr de la commande, précise Attila. Il plonge la main dans le sable pour en montrer la finesse. C'est notre plage à nous ici. J'y vais tous les jours. Des dents de requin ont été retrouvées dans le sable. Il y a bien longtemps ici, c'était la mer. 530 millions d'années en arrière, la Floride était liée à l'Afrique du Nord pour s'en séparer il y a environ 210 millions d'années et s'agréger à la plaque nord-américaine. Marquée par des érosions successives, elle s'est constituée de dépôts marins et de sédiments entre le milieu du Jurassique et celui de l'Oligocène. Aujourd'hui, la Floride reste massivement constituée de terres humides, de landes parcourues par des canaux, de marécages tels qu'on les trouve dans les parcs naturels des Everglades. La Floride est indissociable de l'eau. Elle est partout, insiste John Kellam, qui vit à Palm Beach sur la côte, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Miami. Garcia Mining Company fournit le minerai à plusieurs grandes villes, dont Miami, Fort Lauderdale Lorder... le... ou encore Naples. La nature est loin. Avec la multiplication des événements extrêmes, tempêtes, ouragans, la demande ne risque pas de faiblir. Tout est lié au changement climatique. Le problème n'est pas tant l'élévation des températures, mais le nombre croissant des tempêtes et la destruction des récifs coraux qui protègent la côte et sont affectés par la température croissante de l'eau et son acidification, explique Yani Rapineda, 34 ans, responsable des programmes de développement durable à la municipalité de Miami Beach. Des projets, développés notamment par l'Université du Michigan, ont été mis en place pour l'édification de récifs artificiels. Voilà, on a démonté euh, les coraux qui nous ont rendu un service systémique et bien sûr solution technique pour euh, comme un pansement sur une hémorragie. Quoi. Voilà. 40 millions de dollars sont investis pour protéger l'équivalent d'un peu plus de 4 km de côte. Il faut prendre tous les éléments en compte. Par exemple, il faut être sûr que la végétation soit adaptée, que les racines des arbres que l'on plante soient assez longues et pénétrantes pour bien fixer le sable, précise Yanira Pineda. Le cahier des charges pour le sable est très important. Ce doit être une poudre très claire et nous devons nous assurer de trouver toujours la même qualité. Les tortues, un élément de la biodiversité locale, sont exigeantes, explique-t-elle, et réclament la même couleur pour ne pas les perturber. D'avril à octobre, elles viennent pondre sur les plages et il ne faut pas les déranger, assiste Yanira Pineda. C'est les, les tortues ou les touristes qui demandent d'avoir du sable de telle couleur des photos de gens sur la plage, mais je m'en contrebalance. Euh, sur Pompano Beach, ce jeudi de la fin avril, il est 19h et l'obscurité s'installe doucement. Pour Daniel Kant, qui est 47 ans et son fils Joseph, 13 ans, la prochaine destination sera le parc Disney à Orlando. C'est soleil, plage, shopping, on est là pour, pour en profiter un maximum. On a tout sous la main, confie ce cas indien venu de Toronto qui travaille dans la finance. Il fait chaud, pas comme au Canada. Seul regret, la nature est loin, la plage réduite au minimum. En effet, la bande sableuse ne fait pas plus qu'une qu quinzaine de mètres de large. Entre l'océan qui la grignote, les grands rouleaux attaquants sans répit le sable et les grands immeubles, avec leurs patios et leurs piscines qui la dominent, la, plange, la plage semble si fragile. Faisons euh, faire venir du sable de l'intérieur. Ici, la présence des engins de chantier, camions, pelleteuses, bulldozers, étonne parfois. Les quelques barrières et les écriteaux ne suffisent pas toujours. Des personnels sont là pour dissuader les badauds de s'approcher et les enfants de grimper au sommet des tas de sable géants. La plupart disent ne rien savoir de ce problème de désensablement, et certains touristes protestent devant la fermeture de secteurs entiers de cette longue bande sableuse. Ah, oh, les touristes, c'est vraiment une plaie, hein, qu'on se le dise. Pfff. Mais les habitants de Miami, eux, sont habitués et tiennent à leur plage. Arina Zirkova, 18 ans, habite depuis 10 ans à Sunny Island. Étudiante en nanosciences et psychologie en Louisiane, elle organise régulièrement des opérations de nettoyage de la plage, donnant rendez-vous aux habitants de son quartier. Ce jour-là, ils sont une petite dizaine, tous des connaissances d'Arina et sensiblement du même âge. Ils sont plus conscients des problèmes d'environnement, soucieux de leur avenir, confie la jeune fille. Son souci n'est pas tant le recul de la plage, mais ce qu'on y trouve des bouteilles, des canettes, des sachets de sauce, des mégots, et on retrouve ces plastiques et ces déchets dans le ventre des oiseaux et des tortues, dénonce Arina Zirkova, tout en distribuant des seaux, des gants et des pinces aux volontaires qui se présentent devant sa petite table pliante. À quelques mètres d'elle, la Tower 167. Le poste de vigie, d'où les guetteurs n'arrêtent pas de siffler pour rappeler les nageurs qui se du rivage. Le courant est fort et le drapeau rouge est tissé. La plage de Miami est au-delà, et, et au-delà, tout le littoral sont-ils condamnés à disparaître Des recherches sont menées par l'Engineer Research Development Center, qui dépend de l'USAS, situé à Vicksburg dans le Mississippi. Mais les alternatives n'ont pas encore été avancées, confirme Chris McNeese. L'un des responsables du projet de l'USAS, ce corps d'ingénieurs militaires dont l'origine remonte à la fin du XVIIIe siècle, et qui est aujourd'hui le principal organisme fédéral chargé de la gestion des inondations et de toutes les problématiques environnementales. La recherche porte principalement sur les sources d'approvisionnement en sable. Nous ne voulons pas impacter les zones sous-marines. Nous nous sommes donc tournés vers les sables de l'intérieur, mais nous dépendons de l'évolution des prix de transport. Le RDC cherche des alternatives, mais le travail est en cours, confirme Chris McNeese. Une côte est censée aller et venir. Ces gigantesques, ces gigantesques chantiers, condamnés à se répéter, ne sont pas la solution pour Éric Chaumillon, professeur en géologie marine et du littoral pour La Rochelle Université et chercheur au CNRS, spécialiste de l'environnement des littoraux. On ne protégera pas toutes les côtes avec des digues et du réensablement c'est beaucoup trop cher. On a fait n'importe quoi en termes d'urbanisme alors qu'une côte est censée aller et venir, explique la chercheur. La solution passe par la défense des écosystèmes, car la, prés... par la... Car la présence d'herbiers sous-marins et... ou de mangroves réduit la capacité des vagues à éroder les côtes. Elle passe aussi, estime-t-il, par la réglementation de la littori... littoralisation des sociétés. Ah bah, bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Éric mmh. Chaumillon évoque le projet Zandmotor, moteur de sable, développé aux Pays-Bas. Conçu en 2008, celui-ci est basé sur la constitution artificielle d'un banc de sable à proximité des côtes dans la région de la haie. 22 millions de mètres cubes ont été puisés dans la mer du Nord pour constituer cette bande sableuse d'environ 4 km. Ce sable, déplacé le long de la côte par des courants et les vagues, recharge ainsi les dunes et les plages érodées par l'action de la mer. Plus le fond de l'avant-côte est rugueux, avec la présence par exemple de récifs coralliens ou de roches, et plus la dispersion de l'énergie des vagues sera importante. Il y avait pas de thé, mais... réduisant leur impact sur la côte. À Miami, la couverture sédimentaire est modérée. Il y a donc peu de matériel sableux disponible qui pourrait se déposer naturellement. Et les constructions implantées directement sur les dunes empêchent tout mouvement naturel. Un scénario catastrophique, dit Eric Chaumillon. Ouais, donc il n'y a... a pas de protection naturelle contre les vagues et il n'y a pas moyen d'en créer une artificiellement euh, de manière simple. Ah voilà, ça c'est une belle photo ça. Ah, c'est tout Ça finit comme ça. Ok. Ok, ok. Ma foi, bon, c'était la Floride. Bon, de toute façon, est-ce qu'on est étonné que les ricains fassent n'importe quoi <laughs> euh, Allez, je vous emmène au Cap Vert. Et Cap Vert. Alors là, à mon avis, c'est autre ambiance, à mon avis. Hein. Autre ambiance. Le Cap Vert. Tout le monde ramasse du sable, et il n'y a rien d'autre à faire ici pour nous, les femmes de Ribera d'Abarca. Et ouais, donc on voit des... des mecs pelleter euh, du sable dans des euh, seaux portés euh, sur la tête par des femmes. Putain, oh, les mecs, ils... Euh... Enfin, les femmes, bah, ils... franchement, c'est tous des athlètes. Hein. Moi, je vous le dis, hein. pour pelleter comme ça du sable et le transporter... Euh... Oh là là. Les pieuses de sable du Cap Vert Loin de la carte postale paradisiaque, des plages de l'île principale de l'archipel africain ressemblent à des mines. Des femmes y prélèvent du sable revendu à prix cassé au secteur du bâtiment. Une pratique illégale qui dégrade l'environnement et ruine la santé de ces travailleuses usées par un travail de forçat. Ouais, ouais, voilà, bah oui, ça se voit. Putain, hein. mais qu'est-ce que... Oh. Imagine, tu fais ça toute la journée C'est comme. Euh... Ouais. Bon. La plage de Ribera de Barca n'est pas référencée dans les guides du Cap Vert. Et pas plus que celle de Rincao ou de Cancelo. Ces trois plages de Santiago, l'île principale de l'archipel, sont portées disparues. Et de mémoire de Cap-Verdien, on ne se souvient pas de la dernière fois où l'on y a aperçu la serviette d'un touriste. Les immenses tas de sable noir, les amas de galets, les cratères, les allées et venues des camions sur la piste taillée à flanc de montagne, le paysage évoque davantage une carrière ou une mine à ciel ouvert. Très loin de la carte postale paradisiaque, des étendues de sable blanc à perte de vue et de l'eau émeraude de Salle et Boavista, les deux destinations en vogue de ce petit bout d'Afrique qui baigne dans l'Atlantique au large du Sénégal. Oh là là, ouais en tout cas, euh, depuis le début de, ce, de cette enquête, on a vraiment des photos magnifiques de, de par le monde. Hein. Euh... À Ribera da Barca, comme à Rincao ou à Cancelo, les mineurs ont un point commun. Ce sont quasiment tous des femmes. Au Cap Vert, elles sont connues comme les voleuses ou les pilleuses de sable. Une pratique illégale tolérée par les autorités. Un travail de forçat qui leur permet de survivre en attendant leur butin à prix cassé euh, à des intermédiaires du secteur du bâtiment. Ici, pas de dragueuse ni de pelle mécanique. Leurs seuls outils, un seau et leur corps tout entier. Ce matin de juin, elles sont une dizaine à se jeter à l'eau et à enchaîner les allers-retours avec leur seau sur la tête. Après des années d'extraction, l'or noir devient rare. Il faut s'enfoncer de plus en plus loin dans la mer. A tel point qu'aujourd'hui, deux hommes sont venus prêter main-forte. Campés dans l'eau jusqu'à la taille, les deux guerrières remplissent frénétiquement les seaux à coups de pelle. Les femmes s'accroupissent au maximum pour leur faciliter la tâche. Le sable et l'eau dégoulinent sur leur visage. La manœuvre est aussi éprouvante que périlleuse. La plupart ne savent pas nager. Il faut résister aux vagues, lutter contre le courant, puis escalader le rivage et s'égaler qui se dérobent sous les pieds. Jusqu'à 40 kg par seau, seulement calés par l'ordidja. Traditionnel turban entortillé par les femmes africaines sur leur tête pour transbahuter tout ce qui semblerait impossible à d'autres. Voilà, tu payes 40 kg de sable sur la tête. Les pilleuses de sable sont des équilibristes, pas une seule ne tombe. C'est des athlètes, ouais. Euh, sur la rive, le tas de sable volcanique grandit au rythme des rotations. Plus tard, un camion viendra le chercher. Cabot verde par le t-shirt rouge de la campagne présidentielle de 2021 du Parti victorieux équipe plusieurs travailleuses. Avec une demi-assiette en métal, elles grattent l'énorme amas noir pour remplir leur seau, puis le transportent, toujours sur la tête, toujours en filet indienne, jusqu'au camion. Les caisses de bière retournées servent de marche-pied pour atteindre la benne. Celle-là a une contance d'environ 3 tonnes, donc 3 galoutes. Du nom euh, de la marque du fabricant portugais dans le langage des ramasseuses de sable. Le tas est plus haut que les femmes, il fait chaud, le soleil brûle. Entre deux camions, on s'assoit à l'ombre du tas, on prend une gorgée d'eau. Le dernier camion reparti, reste une dernière tâche à accomplir, redescendre à la mer avec les seaux, pour les remplir d'eau cette fois. Puis les vider, encore, sur les amas de sable afin de les humidifier au maximum, pour que l'or noir ne s'envole pas avec le vent. Toujours en file indienne et leurs et leur seaux sur la tête, les pieuses de sable rentrent alors au village en empruntant la piste taillée dans la montagne. Elles discutent, rigolent, ne se départissent jamais de leur sourire, souvent précocement édentées. Ce n'est pas un métier, c'est un travail difficile et qui détruit la plage, mais il faut bien manger, résume Maria Odette Furtado Freire, 55 ans, dont 35 ans à ramasser le sable et cinq garçons à nourrir. À Ribera da Barca, petit village de pêcheurs qui ressemble à une favela brésilienne avec ses constructions anarchiques à fond de colline, elles sont une cinquantaine comme Maria Odete à survivre grâce à la collecte du sable. On dit pas anarchique, on dit anomique. Les bons mois, la paix peut atteindre 50 euros. Les mauvais, elle est proche de zéro. 3000 escudos, environ 30 euros en moyenne. Ouais, 30 euros par mois. Rolala. Katia Montero Tavares a des tongs bleues, un fichu bleu et une robe bleue, avec des motifs de femmes africaines portant la jarre sur la tête. Et un sourire presque aussi large que ses épaules. Tout le monde ramasse du sable et il n'y a rien d'autre à faire ici pour nous les femmes. Katia a 33 ans et deux filles de 11 et 14 ans. Au Cap Vert, on est pieuse de sable de mère en fille. Katia a commencé à travailler avec sa mère à 8 ans, après l'école, pour acheter le matériel scolaire. Quand elles sont en vacances, ses filles l'accompagnent aussi. Mais Katia rêve d'un autre destin. Ramasser du sable, ce n'est pas un métier. Je voudrais qu'elle soit professeure ou docteur. Bandona Violet, nouée sur les cheveux, Luciani, la cadette, opine. Elle préférait continuer à étudier pour devenir institutrice. Quasiment toutes les ramasseuses de sable sont des mères seules. Psmimkantia avec ses mains. Les hommes se sont fait la malle. On est mère et père à la fois, appuie Maria Odette. Les femmes sont le pilier de la société capverdienne. Ce sont elles qui font bouillir la marmite, tiennent la maison, élèvent les enfants. Ce sont aussi elles qui prennent les coups. Des femmes fortes, certes, mais abîmées. Leur corps emporte les stigmates. Les brûlures du sel sur la peau, les cicatrices sur les jambes, les coupures sous les pieds, le ramassage du sable laisse des traces indélébiles. Les fortes charges à terre remballer sur un terrain instable sollicitent le cou, le dos, la colonne vertébrale, les articulations. Salut <laughs> <n> bêtes <laughs> <laughs> euh, les douleurs aux genoux étaient devenues tellement insupportables que la sœur de Maria Odette, Iva Frère, a dû se résoudre à se faire amputer la jambe gauche. Ah oui, ça va jusque-là. C'était il y a vingt ans, elle en a aujourd'hui cinquante-sept, mais en paraît dix de plus, comme beaucoup de travailleuses du sable. La fille de Ludmila, trente ans, T-shirt rouge avec un renne, a pris les relèves. Elles habitent sous le même toit, le plafond s'est effondré dans une chambre. Grâce à Dieu, il n'y avait personne, soupire la mère, campée dans, sur ses béquilles. Trois étés en métal ont été posés en catastrophe pour soutenir la structure. Des morceaux de ferraille ploient vers le sol. Les autres pièces montrent aussi des signes de fatigue, fissures, crevasses sur les murs. La signature du sable de mer utilisé pour faire le béton. Il n'est pas lavé, le sel qu'il contient capte l'humidité puis se dilate sous l'effet de la chaleur. Euh, ouais. Putain, ces conditions de vie Oh là là quand elle ne porte pas des sauts de sable, Katia remonte des parpaings sur le chemin escarpé qui mène à son domicile. Deux par deux, toujours sur la tête, toujours en tongs bleu. Le sable, elle le troque contre du matériel de chantier pour terminer sa maison. À Ribera de Barca, comme dans tous les quartiers pauvres de l'île, les habitations ne sont jamais terminées. Toutes sont construites avec le sable de mer. Toutes identiques, sans finition. Des façades grises constituées de blocs de parpaings bruts, elles ne supportent ni les enduits, ni la peinture. Orlando a grimpé sur le toit d'une maison. Avec deux amis, il prépare du béton avec le sable ramassé par sa sœur. Je suis un maçon, un vrai maçon, clame-t-il en français. Orlando a travaillé il y a six ans dans le bâtiment à Neuilly-Plaisance, en banlieue parisienne. Il n'utilise jamais le, 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 le sable de mauvaise qualité, des pieuses pour le toit, seulement pour les murs. Les gens sont pauvres, ils préfèrent le sable de mer au sable industriel, explique Orlando. Un galucho se monnaie entre 4000 et 5000 escudos, environ 50 euros, contre 10 000 escudos pour le sable de roche, extrait mécaniquement et de meilleure qualité. Pff, pa, pa, pa. Marché noir. Il n'y a pas qu'à Ribera de Barca que les gens sont pauvres. Toute l'île de Santiago ressemble à un vaste chantier. À Villanova, la banlieue de Preira, la capitale, comme à Asamoda, la deuxième ville du pays, les collines sont rongées par les constructions anarchiques et illégales. On dit par anarchique, on dit anomique. Leur explosion tire l'exploitation du sable de plage depuis plus de 30 ans. Praia, plage en portugais, concentre près du tiers de la population du Cap Vert, estimée à un demi-million d'habitants. Cette urbanisation hors de contrôle trouve son origine dans l'exode rural, notamment depuis les îles les moins touristiques et une immigration africaine du Sénégal ou de Guinée-Bissau. L'ancien maire de Praia avait commencé à démolir les logements sortis de terre sans permis de construire. L'initiative lui a coûté son poste. Son opposant, issu de la communauté de Villanova, a conquis la capitale en 2020 en promettant des terrains pour tous. Depuis, les constructions clandestines ont repris de plus belle. Donc, on, on, je rappelle, hein, le sable de plage n'est vraiment pas fait pour faire des, du, du béton, parce qu'il est trop lisse. Euh, non, pardon. Non, je dis n'importe quoi, c'est le sable du désert. Donc, ça veut dire que le sable de plage de cette plage-là n'est pas suffisant pour faire du, des constructions de qualité. Ah. La directrice de l'urbanisme de la ville, Zelita Barbosa, reçoit dans son bureau. Elle évoque un programme pour lutter contre les, clé... contre les constructions clandestines, mais botte en touche devant la question sensible de l'utilisation du sable de mer, une pratique interdite. J'ai été 14 ans dans la construction publique et jamais je n'ai travaillé avec du sable de mer. La commande publique, pas plus que les grands groupes privés, ne prennent ce risque, mais pour les particuliers, c'est une autre réalité. Le business du sable de mer ne nourrit pas seulement les pieuses. Il alimente un marché noir où, vivent, où viennent s'approvisionner tous ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à un architecte ou un professionnel du bâtiment pour édifier leur maison. Pas besoin de chercher très longtemps dans la banlieue de Praia pour dénicher du sable de mer. Ainsi, de ce revendeur officiel de Saint-Port, le géant portugais du ciment. Côté façade, la société vend du ciment, de la ferraille ou des tuiles. Côté court, sur un parking discret, à l'abri des grands containers, deux ouvriers remplissent des sacs de 50 kg à partir de plusieurs tas de sable allant du gris au noir. Le gris clair, certifié industriel de Roche, est à 600 escudos le sac. Le gris foncé et le noir, censés tous deux venir de Mauritanie, sont à respectivement 400 et 350 escudos. José Miguel se fournit régulièrement ici avec sa camionnette pour livrer des particuliers. Il décode, le sable de Mauritanie vient des plages du Cap Vert. Certains camionneurs qui viennent chercher le sable à Ribera de Barca prennent la peine de recouvrir leur galoutcho d'une bâche, pour éviter que le sable ne s'envole pendant le trajet, pour se mettre à l'abri d'un hypothétique contrôle. Depuis 2010, l'extraction du sable est interdite sur les plages du Cap Vert. Pendant que les femmes cherchent un galoutcho, un pick-up de police municipale passe sur la piste qui surplombe la plage. Il y a quelques années, on courait se cacher quand on apercevait la police, dit Katia. Aujourd'hui, elles poursuivent leurs allers-retours imperturbables. Ok. C'était où que c'était la même chose, où vraiment les filles, ils en avaient plus rien à foutre Je sais plus c'était en Gambie ou. Euh... Ouais, je sais plus. Ou aux Maldives Non. Euh, à l'opposé de Ribera de Barca, sur la côte est de l'île de Santiago, l'immense plage de sable noir de Padra Badejo, dans la province de Santa Cruz, est censée être gardée par l'armée. Pas un ennemi forme à l'horizon. Les deux jeunes militaires sont en pause, à l'ombre, installés à l'intérieur d'une épave posée sur le sable. Beret Rouge, Treillis, Rangers, Kalachnikov, ils sortent l'air un peu hébété de leur cache. Wilder Martins, 21 ans, réajuste sa matraque et se lance. On est là pour faire respecter la loi qui interdit de prendre du sable, protéger les tortues qui viennent pondre ici et préserver l'équilibre de l'écosystème. Le soldat Martins est affecté à cette mission depuis un an. Il reconnaît qu'elle euh, qu est parfois prise à défaut même si leur présence est dissuasive. Il y a des vols ici, c'est inévitable. La plage est coupée en deux par une falaise. Wilder Martins et son acolyte surveillent les pilleuses, mais les femmes les guettent aussi. Quand tu es sur la plage, elles vont sur l'autre. Ouais. <laughs> si tu joues à chat pour prendre du sable, là. C'est tendu. Goût salé. Goût salé de la canne à sucre. Comment ça Comment ça goût salé de la canne à sucre quelques kilomètres plus au nord à Cancelo, pas de soldats pour surveiller la plage. Certaines nuits, les pilleuses de sable sont elles-mêmes obligées de monter la garde pour ne pas se faire chaparder leur butin. On met des cartons par terre et on dort sur la plage, explique Sheila Moreira, dit Chinia, 36 ans, cinq enfants et 26 ans de ramassage de sable dans les avant-bras. Les voleurs et les voleurs des voleuses de sable, les hommes d'ici répond Chinia, qui ne souhaite pas s'étendre sur le sujet par crainte de représailles. Et aussi des transporteurs qui viennent avec leur camions la nuit prélever le tas de sable qu'elles se sont évertuées à monter le jour. Il arrive que la situation dégénère en bagarre, selon Chigna, foulard jaune sur la tête et débardeur léopard sur les épaules. Casquette, barbichette et t-shirt mauve, Cabo Verde, euh, Celestino Tavares aurait de bonnes raisons de se quereller avec les pieuses de Cancelo. Mais lui non plus ne veut pas se faire des ennemis. Il leur trouve même des circonstances atténuantes. La vie, c'est difficile. Celestino est agriculteur. Sa parcelle qu'il estime à deux terrains de foot est dans le prolongement de la plage, transformée en champ de mine par les femmes du village. Son champ, à lui, est jonché de feuilles de bananiers desséchées et des troncs morts. Longtemps, il a exporté ses bananes vers les autres îles du pays, et même vers, leur, vers le Portugal avec la coopérative locale. Mais aujourd'hui, ses bananiers ne donnent plus de fruits. La faute à l'eau avec laquelle il irrigue ses plantations, trop salée. Le sable de la plage faisait office de filtre. Plus les, plus les femmes le retirent, plus la terre et l'eau se salinisent. Il n'est pas tombé une goutte depuis plusieurs mois. Le niveau d'eau est donc au plus bas dans les puits. Celestino remonte péniblement un saut à l'aide d'une ficelle. C'est à 50% de l'eau de mer. Ah oui, puis je peux vous dire que arroser des cultures à l'eau de mer, c'est pas une bonne idée. Hum. La terre est blanche et craquelée. Il y a bien quelques papayes, mais elles ne sont pas comestibles. Si je les vends, personne ne les achète. Elles ne sont pas bonnes. Désormais, seule la canne à sucre pousse. Et encore, elle a un goût salé. Son unique débouché, la fabrication du grog, le rhum local. Un grand gaillard surgit, maillot du Brésil sur le dos et machette à la main. Il coupe les cannes à sucre sans ménagement. Une partie de la culture est morte, diagnostique t-il. José Maria, dit Dj Jedi, est Sénégalais et parle français. La canne, je la laisse reposer. Au bout de 5 six jours, le sel se réduit. Jedi fabrique du grog. Il est aussi maçon et utilise, comme tout le monde, le sable de la plage. Jedi goûte aussi à la canne à sucre d'une parcelle voisine. Ça, c'est meilleur. Il ne fera pas, la f... il ne fera pas affaire aujourd'hui avec Celestino. L'agriculteur a pris la succession de son père. À 42 ans, il est inquiet pour l'avenir de son exploitation. S'il ne pleut pas, il n'y aura pas de récolte. Le cas de Celestino n'est pas isolé. À Cancelo, une cinquantaine d'agriculteurs souffrent de la même situation. Nous avons fait des réunions avec les autorités, mais elles ne proposent pas de solution, déplore Celestino. La première source d'eau douce est à 4 km, trop cher pour s'y raccorder, leur ont répondu les autorités. Il serait favorable à l'installation d'une station de désalinisation de l'eau de mer pour irriguer les cultures. Ça de cher ça. José Maria Semedo évoque une autre solution, faire un barrage en béton en profondeur pour empêcher l'eau de mer de s'infiltrer, mais c'est très cher. José Maria Semedo est géographe à l'université du Cap-Vert. Il a étudié les conséquences environnementales de l'extraction sauvage du sable. Le sable joue un rôle de filtre. Plus on fait de trous, plus ça facilite, plus ça facilite pardon, la pénétration de l'eau salée dans les nappes souterraines. Combiné au manque de pluie, les conséquences sont dramatiques pour l'agriculture de la région de Santa Cruz et de toute la vallée. L'universitaire fait, ré fait référence dans son pays. Il a remis un rapport au gouvernement cap-verdien au début des années 2000 quand les entreprises du BTP recouraient encore massivement au sable de plage. Il y a une loi qui interdit cette pratique depuis 2010, mais elle n'est pas appliquée, déplore le professeur Semedo. Il y a beaucoup de projets cap-vert, mais ils aboutissent rarement. Le ministère cap-verdien de l'Environnement n'a pas répondu à nos sollicitations. Lâche, pleutre. Le géographe avait suggéré une autre piste pour redonner vie aux plages disparues, réensabler en allant chercher de grandes quantités de sable en Mauritanie. Jugée également trop onéreuse, cette option a été écartée. Elle aurait eu l'autre avantage de compenser la perte de micro-organismes liés à l'exploitation du sable. Le sable joue en effet un rôle important dans l'écosystème marin, rappelle José Maria Semedo. Vous avez vu les conséquences sur la biodiversité de juste d'enlever le sable C'est ouf, hein Raréfaction des poissons. À Ribera de Barca, les pêcheurs font le lien entre la disparition du sable et la raréfaction des poissons. Et il y en a de moins en moins, constate fataliste Sandou Miguel, en remontant péniblement son embarcation bariolée avec deux collègues sur la petite flage qui fait office de port. La matinée n'a pas été mirifique, seulement quatre prises. Sandou quarante ans pêche à la ligne quand ça ne mord pas, euh, quand ça ne mord pas. Il plonge avec un tuba et un masque, pas complètement étanche, à en croire ses yeux rougis. À l'instar des pieuses de sable, l'équipage doit s'aventurer de plus en plus loin des côtes. Pas évident avec le courant et les vagues lorsqu'on se propulse à la rame. Ma bah, putain. Euh, voilà. Serginho, le patron de l'association qui regroupe les 130 pêcheurs actifs de Ribera de Barca, est attablé au Mataformé, qui veut dire tuer la faim, Mataformé, le seul restaurant du village. En 2021, il a participé au recensement des poissons d'une organisation écologique dont il porte encore le t-shirt. Au moins trois poissons ont disparu ces cinq dernières années. Pelombete, Chicaru, Caval, énumère Serginho, mais comme les agriculteurs de Santa Cruz, il n'en tient pas rigueur aux ramasseuses de sable. Elles n'ont pas le choix pour survivre, l'aller-retour en bus pour l'école, c'est 200 escudos par enfant. Tong a sorti à son short, Anne Cecilia, elle, ordonne l'association de développement des pêcheuses de Rincao à une demi-heure au sud de Ribera de Barca. La vie est compliquée sans travail. À 40 ans, avec 6 enfants à élever seuls, elle multiplie les petits boulots, la pêche, la vente ambulante de vêtements le dimanche et le ramassage de sable. Elles sont une trentaine, comme Anna Cecilia à Rincao, à continuer d'extraire le sable. La plage est aussi dévastée que celle de Ribera d'Abarca. Mais quand les femmes de Ribera d'Abarca doivent aller de plus en plus loin en mer pour trouver leur noir, celles de Rincao sont contraintes au mouvement inverse. Il n'y a plus un grain de sable sur la plage, que des galets, et qu'elles doivent reculer sans cesse derrière le rivage à l'intérieur des terres. Armées de tamis bricolés avec des objets de récupération, elles s'attaquent désormais aussi au lit de la rivière, à sec dix mois sur douze, qui se jette dans l'océan. Quand elle ne ramasse pas du sable, Anna Cecilia et les femmes de son association collectent des bouteilles en verre. Bière, vin, grog, des milliers de bouteilles usagées sont stockées dans un entrepôt autrefois utilisé par les pêcheurs. Une énorme machine poussiéreuse occupe le centre du hangar. Elle broie les bouteilles pour les transformer en sable, quasiment aussi fin que le sable de mer. Il est conservé dans trois grands fûts métalliques. Le projet, soutenu par une association environnementale, ambitionne à terme d'offrir une alternative aux pieuses de sable en fournissant le secteur de la construction. Pour l'heure, le résultat est plus modeste. Anna Cecilia sera avec deux petits pots en béton remplis d'un grand peigne, d'une lime à ongles et de brosses à dents. Elle attend de dégoter un acheteur. Demain, Anna Cecilia retrouvera son seau et ses tas de sable. Voilà. Quelle conditions de vie de merde. Bon, c'était Vert. Je vous avais prévenu, c'était moins jojo que Miami, hein et ouais, puis on va aller dans le dans le fief de de la de, de, de Hidalgo. J'espère que vous êtes content, on finit par la France. La France. Allez, me bug pas le monde. Ouais. L'insatiable appétit de sable du Grand Paris dans les débilités... Euh... Bref, Grand Paris, c'est vraiment une connerie. On se le dise. Alors, le réemploi est indispensable pour préserver la planète de nos enfants. On pourrait d'ailleurs commencer par arrêter de surdimensionner les ouvrages. C'est qui dit ça. Quatre nouvelles lignes de métro, 68 gares et 12 000 hectares de bureaux et logements. En Ile-de-France, l'approvisionnement en granulat devient un enjeu crucial au fur et à mesure que les carrières sont repoussées en dehors de la métropole et que la pression écologiste se fait forte. Tain, mais... Enfin, comment est-ce qu'ils on, ont encore dans l'idée de faire un grand Paris enfin, C'est quand même fou, quoi. Euh, quand il y a embouteillage à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, ou devant une autre écluse de la Seine, le goéland fait escale pour la nuit. Ces huit cabines sont là pour accueillir l'équipage. Sinon, le gros pousseur de ligne navigue sans interruption, sept jours sur sept, pour convoyer en 36 heures environ sa précieuse cargaison des confins de la Normandie à Paris 5000 tonnes de sable et de gravier, l'équivalent de 166 camions. Ah ouais. oh là là. Avec ses 24 mètres de long, l'imposante embarcation de la société CMEX n'est pas vraiment de taille à manœuvrer au cœur de la ville aux heures de pointe. Entre les bateaux-mouches et les petites péniches, elle laisse avant l'aube ses barges pleines à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, où s'avance jusqu'au port Victor dans le 15e arrondissement. Embarcations, camions, trains, l'agglomération de près de 11 millions d'habitants a besoin de flux permanents de matériaux pour épancher sa fièvre de construction, démolition, reconstruction, qui ne ralentit guère la chaleur de l'été. La métamorphose en cours de Paris de sa couronne est à ce prix. Plus haut, plus dense, des quartiers entiers sont en train de naître ou de changer l'air sous la houlette d'un établissement public tout puissant, la Société du Grand Paris. Alors, pour avoir des infos internes, je peux vous dire que la société du Grand Paris, c'est vraiment corruption sur 20. Il dessine en surface le tracé souterrain de quatre lignes de métro supplémentaires, ponctuées de 68 nouvelles gares, un chantier souvent qualifié de plus important en Europe. À Port Victor, le commandant Franck Dreycourt se souvient du temps où il pilotait le Goéland. Il tient désormais la barre de l'Emerillon, un pousseur de manœuvre deux fois moins long, avec lequel il passe ses journées à déplacer les barges d'une rive à l'autre de la Seine à troquer des plaines contre des vides, qui, rep qui repartiront à leur tour, chargés des déblais du sous-sol que l'on excave et des bâtiments que l'on démolit pour en ériger d'autres. Amarrer, courir, décrocher les longues embarcations, le travail du premier matelot est pour le moins physique, rien ne reste en place bien longtemps. Sur l'eau aussi, les places de stationnement sont chères à Paris. Oh <laughs> ah, putain. Rien que sur ce site, Semex voit transiter dans ses silos 500 000 tonnes de granulats par an. Dans la construction et les travaux routiers, le terme désigne à la fois le sable, dont les grains sont inférieurs à 4000 mètres, et des graviers de différentes tailles. 25 camions toupies partent en permanence livrer le béton, fabriqué sur place par les vers les innombrables chantiers de la capitale. La farge unibéton, les les, je vous rappelle hein, les collabos, du groupe Heidelberg Cement, voisinant avec CEMEX à l'entrée de l'ouest de l'agglomération. Les mêmes entreprises, ainsi qu'Equium et le groupe de BTP SFB, se pressent aussi, côté Est, plus en amont sur le fleuve entre Ivry-sur-Seine et le port de Tolbiac. Car pour, impo... pour s'imposer comme la grande métropole stratégique d'intérêt national, conformément à la loi adoptée à cet effet en 2010, l'agglomération a des besoins colossaux. Elle n'abrite pas moins de 59 centrales à béton actuellement, dont 33 au bord de l'eau. Leur production est à la hausse depuis 15 ans, 4,25 millions de mètres cubes en 2018. Quelle angoisse. Et bien que l'opposition ne faiblisse pas contre plusieurs stations de métro qui vont, qui vont effacer et fractionner les terres agricoles du plateau de Saclay au sud et du triangle de Gonesse au nord, les chantiers du Grand Paris Express avancent à un rythme soutenu. D'ici à 2030, logements et bureaux vont pousser en rang serré autour des 68 nouvelles gares. Il devrait couvrir une superficie totale de 12 000 hectares, dont 7 000 hectares dans un rayon de 800 mètres autour des stations, qui sont pour la plupart en train d'être réalisées, reniant encore les maigres espaces verts qui subsistent par endroits. Dans la Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne surtout, la destruction d'îlots de petits pavillons de banlieue et de leurs jardinets a commencé. Avalés par les, nombreux, par les nombreuses zones d'aménagement concertées, les AC. Qui se sont multipliés, confiantes dans l'attractivité du futur métro, ces quartiers modestes doivent céder la place aux projets des promoteurs immobiliers négociés avec la SGP. D'ici à 2030, entre l'extension du réseau métropolitain, les infrastructures des Jeux Olympiques de Paris 2024 et diverses opérations d'aménagement, des centaines de projets vont entraîner la création et la réhabilitation de presque 30 millions de mètres carrés sur le territoire du Grand Paris, dont la moitié d'ici à deux ans. Si la métropole optait pour le tout béton, il lui faudrait 16,3 millions de mètres cubes jusqu'en 2024, soit 1,5 million rien que pour la ville de Paris, et le reste pour sa couronne, puis 14 millions de mètres cubes supplémentaires jusqu'en 2030, a chiffré l'atelier parisien d'urbanisme. Cet appétit ne peut être rassasié sans une source minérale naturelle indispensable, le granulat. La France en a consommé 453 millions de tonnes en 2019, un peu plus de 18 kg par personne et par jour. Alors que la ressource tend à manquer dans de nombreux pays, le gouvernement s'était préoccupé dès 2012 de la sécurité de l'approvisionnement. Il s'était aussi interrogé sur les moyens de construire le Grand Paris de manière durable, de rendre plus acceptable auprès de l'opinion publique les immanquables nuisances liées à un tel chambardement. Les entreprises ont été priées de faire en sorte d'intégrer au mieux leurs installations dans le tissu urbain. Des carrières de plus en plus lointaines. Notre principal ministère de tutelle, c'est celui de la transition écologique. Nous nous, donc, nous, nous devons donc d'être exemplaires, modestes et transparents, assure Jean-François Monteil, président du directeur de la SGP. Ouais, et puis quand tu regardes qui c'est le ministre, tu rigoles bien quand même. Hein. Compte tenu du gigantisme du projet, nous avons pu demander aux entreprises de faire des efforts sur le transport, le recyclage des matériaux et surtout les déblés. Aujourd'hui, nous savons où se trouve l'intégralité de ce que nous excavons en Ile-de-France et au-delà. Dans le mouvement, il a été décidé que les schémas départementaux des carrières seraient débattus de façon plus ouverte à l'échelon régional. Dans les faits, faute d'empressement à se réunir de la part des comités ad hoc, ces schémas ne sont pas encore tous adoptés. De leur côté, les producteurs ont dû s'organiser, développer le recyclage afin de réduire les volumes du granulat extrait, améliorer les acheminements tout en essayant de rassurer le public. Ah ouais, ça fait des sacrés tas. Hein. Ça fait des sacrés tas. Or, le sable, c'est du lourd, du très lourd même. Le pondéreux ne parcourt généralement pas plus de 30 km depuis son lieu de production dans l'Hexagone. Le prix moyen est d'environ 3 euros la tonne en sortie de carrière, sans le transport, 7 euros avec. C'est l'élément déterminant, indique Alain Plantier, président de l'Union nationale des producteurs de granulats. Ces derniers, euh, ces derniers millions d'années, la géologie s'est montrée généreuse avec le sous-sol de l'île de France, et de la France en général. Mais la donne se complique pour Paris, car voilà longtemps que l'urbanisation a repoussé les carrières bien loin de la Petite Couronne. Il reste une cinquantaine de sites aux confins de la Seine-et-Marne, d'où sortent encore 7,7 millions de tonnes par an. La région est donc contrainte de se tourner vers ses voisines, la Normandie notamment, qui produit trois fois plus de granules qu'elle. À Boifle, dans l'air, ces mecs s'exploitent. Un vaste site alluvionnaire dans une boucle de la Seine. Cette multinationale qui fait travailler 40 000 salariés dans 50 pays et compte 72 carrières un peu partout dans le pays, est l'une des principales actrices du marché français. Chaque année, elle fait transiter 3,6 millions de tonnes de matériaux, un peu plus de la moitié de sa production par voie fluviale dans le pays. Le quai d'embarquement de boifle regroupe des arrivages de plusieurs autres de ses carrières, notamment du sable prélevé en mer du côté de Dieppe, dans la Seine-Maritime. Pour l'heure, cinq barges bleues et rouges à ces couleurs sont alignées dans l'attente du retour du goéland ou d'un autre pousseur de ligne. Le plan d'eau est relié par un chenal à la Seine qui disparaît derrière une colline arborée. Un tapis convoyeur est installé en hauteur afin de pouvoir charger les jours de crue. À l'arrière, des monceaux de granulats sont rangés selon leur granulométrie au dixième de mille mètres près. Nous avons aussi des, pe... Nous avons des péniches aussi, annonce le chef de carrière Laurent Biag Biagetti. L'homme commente avec fierté la variété des activités présentes sur son territoire de 300 hectares, dont une bonne partie s'étend sur d'anciennes pâtures converties. Un chevreuil traverse opportunément le paysage au fond de la parcelle actuellement exploitée. Comme celle-ci se trouve de l'autre côté de la route nationale 316, que des poids lourds ne peuvent couper, un tunnel a été creusé en dessous un tapis convoyeur de plusieurs kilomètres passe au-dessus. Oh là là Le sable n'étant pas une marchandise aisée à stocker, le rythme de l'extraction suit celui de la demande du Grand Paris. Le gisement de Boifle est exploité depuis la fin des années 60. Des terrains sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement. Ainsi a été constitué un plan d'eau qui plaît aux grèves huppées, aux baigneurs, malgré l'interdiction d'y plonger faute de surveillance, ainsi qu'aux responsables de communication présents ce jour-là. Il s'agit en effet de montrer la profession sous son meilleur jour. Elle n'a pas bonne presse et a du mal à recruter. Mais tu m'étonnes, tu, tu détruis les écosystèmes, c'est quoi Nos métiers sont mal connus à côté du secteur du luxe ou de l'automobile, on ne fait pas rêver. On manque de chauffeurs, de conducteurs d'engins, de chefs d'équipe de commerciaux, Super Laurent Biagetti. Euh, à mon avis, ce n'est pas le luxe ou l'automobile qui te fait concurrence pour les conducteurs. Hein. C'est juste que. Travail de merde, salaire de merde. Voilà. Les plages de sable qui disparaissent. Ce n'est pas nous. <laughs> ce n'est pas nous. C'est pas ma faute. Plus encore que le balai des tractopelles et des camions bennes c'est la plateforme industrielle qui constitue le clou de la visite. Des tapis s'y croisent en hauteur dans un, un, un intrigant manège, qui conduit bruyamment le granulat vers des opérations de criblage, tri, presse et lavage. Des blocs de béton y sont aussi concassés. À boifle, on ne fait pas qu'extraire du sable, on recycle aussi des matériaux provenant de chantiers de démolition. Environ 15% de nos produits en sont issus, indique le chef de carrière. Nous pratiquons cette activité depuis 12 ans dans une logique de préservation des ressources naturelles. Les mentalités et la réglementation évoluent sur cette question, assure-t-il. Green, 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 C'est là, France. La carrière de boifle dans l'heure. En France, les producteurs de granulats veulent démontrer leur responsabilisation croissante à l'égard de l'environnement. Attendez, bougez pas. J'ai quelque chose... J'ai quelque chose. J'ai une commande pour ça. J'ai une commande. Bougez pas. Voilà. Les plages de sable qui disparaissent, ce n'est pas nous se défend ainsi Alain Boisselon, président de l'Union nationale des industries de carrière et des matériaux de construction. Notre objectif n'est pas de creuser des trous dans la terre, mais de participer à la construction d'un monde durable et équilibré. La demande aujourd'hui est de bâtir la ville dans la ville. Un immeuble par-dessus un ancien pavillon. Voilà le besoin principal. L'Unicem annonce vouloir à terme répondre à 30% des besoins de la construction grâce à des matériaux recyclés. Bien que soumis à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les, car les carrières jouissent généralement du soutien des pouvoirs publics au nom des besoins en matériaux qu'il faut satisfaire, tant pis pour l'hostilité de la population locale. Des populations locales. Les paysages dévastés et laissés à l'arbre rondon, une fois le gisement épuisé, étaient de légion dans les années 80. Des norias de camions empoisonnent toujours la vie de communes voisines et les riverains s'inquiètent de voir l'eau de leur puits baisser. Alors, vraiment, le, la baisse du niveau de l'eau, c'est vraiment un problème récurrent, que ce soit pour l'eau de mer ou pour l'eau euh, douce, l'eau de, des nappes phréatiques. Résultat, ouvrir une nouvelle carrière est devenu un, une gageure, répètent les professionnels à l'envi. Dix ans d'efforts au bas mot. Aussi, la plupart s'efforcent-ils très à l'avance d'obtenir le droit de prolonger leur exploitation ou bien de l'agrandir C'est le cas de Semex qui détient une autorisation pour boifle jusqu'en 2034. La société y a produit 885 000 tonnes en 2021. La concurrence de matériaux alternatifs comme le bois, le chanvre ou la terre cuite n'inquiète guère la profession. C'est normal, ils sont tellement bien, euh, les lobbies sont tellement bien intégrés euh, aux politiques que pff, ils craignent rien. Du béton, il en faudra toujours pour ériger des dits de protection contre les effets du changement climatique. Voilà. Les chacals qui se nourrissent de, des crises. Hein. On connaît, on connaît. Pourtant, les créations de sites d'extraction sont devenues marginales, rapporte Alain Boisselon. On en compte peut-être de 10 à 15 par an, une par grande région en moyenne. La difficulté tient à l'accessibilité des, gis des gisements, compte tenu de la confiance échaudée des riverains. « Je comprends qu'il y ait des inquiétudes, c'est légitime, mais nous nous efforçons à être transparents depuis 30 ans », affirme M. Boisselon. Je, je vous remets pas le pipeau, mais voilà. « Certains grands groupes ont considéré qu'il fallait arrêter les bras de fer locaux. Nous avons traité les points noirs, nous nous sommes engagés. Si vous voulez voir des chauves-souris et des hirondelles de rivage, c'est chez nous qu'il faut venir. Nous avons des partenaires avec la Ligue de protection des oiseaux. » Hostilité générale. On peut se le permettre. On se fait pas buter, nous. Enfin... Ça, ça dépend. <laughs> L'État a bien aidé à amorcer, à amorcer cette transition. Depuis 1994, il est non seulement obligatoire de présenter dès le départ ce qu'il adviendra des lieux une fois le gisement épuisé, mais une garantie financière impose la réalisation effective du projet final. Après avoir été creusé pendant des décennies ou bien excavé à l'explosif, s'agissant des roches massives, les terrains sont rendus sous forme de plans d'eau, de parcs publics ou d'espaces naturels, et majoritairement de parcelles agricoles, même si celles-ci ne présentent pas les mêmes qualités qu'auparavant. Bah, tu m'étonnes. <laughs> la couche de terre arable doit, être, doit alors être mise de côté le temps de l'exploitation de la carrière. Elle est stockée généralement sous forme de merlons, des buttes massives, un moyen de protéger l'extérieur contre le bruit et l'intérieur des regards curieux, notent les, mois, les voisins méfiants. Dominique Pellegrin est de cela présidente de l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières. Elle s'est longuement opposée à l'ouverture d'une exploitation de calcaire à Breuil en vexin dans les Évilines, 105 hectares à flanc de colline, juste en face de son village bucolique de Sailly. La bataille contre le groupe Calcia France a duré 20 ans. L'association a fait travailler des juristes, laissé des tags protestataires un peu partout dans la campagne et des panneaux parodiques accrochés à la façade de la mairie. Pour finir, elle a progressivement rallié à sa cause nombre d'élus locaux et de parlementaires. Rebutée par l'hostilité générale, la société Calcia, rachetée par edelberg simant a fait savoir officiellement le 12 avril qu'elle renonçait à exploiter la colline de Breuil-en-Vexin, bien que le droit soit, son, soit de son côté. Ah, la lutte paix Ah, faut lutter Elle en avait pourtant grand besoin pour alimenter sa cimenterie située non loin à Gargenville. La vieille usine est à l'arrêt depuis décembre 2021. Il reste plusieurs actions juridiques en cours. Or, nous, les associations, les communes voisines comme le parc naturel régional du Vexin. nous avons systématiquement perdu tous nos recours. Deux encore le 1er avril, devant le tribunal administratif de Versailles, résume Dominique Pellegrin. Et le dossier n'est pas définitivement à l'abri puisque l'autorisation court jusqu'en 2029. Ah. Ok. Wouah Ah ouais. Et la société plâtre exploite une carrière de gypse située sous la forêt domaniale de Montmorency. Ok, donc ça c'est une mine euh, une mine souterraine. Dans les Yvelines, un département qui, comme celui de Seine-et-Marne, est très impacté par l'intense activité liée aux divers chantiers du Grand Paris, les réseaux d'opposants restent très vigilants. Ils s'inquiètent moins des rares tentatives d'ouverture de carrières que de la façon dont les anciennes vont être remblayées. Car la phase de comblement donne lieu à de nouvelles rondes de camions et à moultes interrogations. Que va-t-on mettre sous la surface Des déchets nucléaires. <laughs> euh, la SJP sait que les inquiétudes sont nombreuses. Elle qui doit trouver des débouchés pour les 47 millions de tonnes de déblais des futures lignes de métro, dont 25 millions de tonnes ont déjà été excavées. Il y aurait là de quoi recouvrir toute la ville de Paris d'une couche de 20 cm d'épaisseur, reconnaît-elle. Elle a donc invité au printemps la presse à venir se plonger sous la forêt domaniale de Montmorency, à Baillé en France, Val d'Oise, où œuvre la société Placopolâtre. Moyennant finance, la SGP y a envoyé depuis 2017 300 000 m3 de déblais qui bougent petit à petit les galeries d'un important gisement de gypse. Le fonctionnement de l'endroit évoque immanquablement celui d'une fourmilière géante. D'un côté, on creuse à l'explosif pour extraire un matériau avec lequel est fabriqué du plâtre. De l'autre, on comble jusqu'au plafond des kilomètres de galeries. Il faut 1500 ans pour donner 1 cm de gypse, une semaine pour combler 25 mètres. Note Marie-Christine Lietard, responsable du site. Quelle est l'étendue de cet impressionnant labyrinthe En ce moment, entre 150 et 200 km peut-être, avance-t-elle. L'entreprise a développé un savoir-faire pour contrôler le contenu des plus de 150 camions qui se présentent chaque jour à l'entrée. Elle en refuse environ 2%, soupçonnés de, de contenir d'éventuels éléments polluants. Indispensable réemploi des déchets. Quant à la SGP, elle met, tout, elle met tout en avant son objectif d'évacuer 15% de ses déblés par voie ferroviaire et surtout fluviale. Cette perspective ne peut que renforcer les inquiétudes d'Élise. Zabeth Doucet et de son association ADVIV environnement. Cet architecte de métier regarde de sa fenêtre à Andrézy, en Yvelines, les allées venues d'une tractop tractopelle dans la sablière située sur l'autre rive de l'Oise. Cela ne me gêne pas, témoigne-t-elle. Ce qui me dérange, c'est que cette carrière va être comblée avec les gravats de Paris. Ce haut lieu des mariniers, à deux pas du musée de la Bâtellerie de Conflans-Sainte-Honorine, doit être détruit pour installer le port Seine Métropole Ouest, une, plateforme, une énorme plateforme pour les entreprises du BTP en lien avec les chantiers du Grand Paris. Mais c'est un mauvais prétexte. Tout sera terminé quand le port sera opérationnel. Ouais. L'opposante regrette que les promoteurs de cette nouvelle zone industrielle la vantent au nom de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'elle va nécessiter de tracer des nouveaux accès pour les camions à travers les quartiers résidentiels et par-dessus des îles, jusqu'à présent, refuge pour les oiseaux, à la confluence de l'Oise et de la Seine. Il n'est décidément pas simple d'aménager au forceps de nouvelles infrastructures dans une agglomération qui souffre déjà tant du manque d'espace. Recy Recycler surtout in situ pourrait bien s'imposer comme une nécessité afin d'économiser du transport, des aires de stockage, du dioxyde de carbone. Les ressources secondaires, comme disent les professionnels, ne manquent pas. Les déchets du BTP ont beaucoup augmenté en Ile-de-France avec le Grand Paris. Ils surpassent d'un tiers les ordures ménagères. Ils sont valorisés à 76%. L'UNICEM annonce un objectif de 90% comme sous-couche de route pour enrober des canalisations souterraines, comme matériaux pour pistes d'atterrissage sur les voies ferrées et plus rarement dans la construction. Récupérer le granulat naturel contenu dans le béton pour refaire du béton est une pratique récente à laquelle a bien contribué Amor Benfrage. Ce chercheur est responsable adjoint d'une équipe qui travaille sur ce procédé ainsi que sur d'autres matériaux alternatifs comme les sédiments de dragage et divers coproduits industriels au sein de CEREMA, un établissement public axé sur l'accompagnement de politiques de transition écologique. Le sable s'épuise, le problème se pose déjà tant localement qu'à l'échelle mondiale, observe-t-il. Amor Benfrage a participé jusqu'en 2018 à une recherche collaborative intitulée Reci Béton. Ce gros travail, qui a rassemblé pendant six ans les acteurs du secteur et des organismes de recherche, va donner naissance à un nouveau cadre réglementaire. C'est grâce à lui que va être autorisée l'intégration de davantage de granulats recyclés dans le béton. Mais la proportion de 30% est encore loin d'être une réalité. Il reste à inciter les donneurs d'ordre à en tenir compte dans leurs appels d'offres afin d'encourager cette évolution à convaincre les assureurs aussi. Le mot déchet fait un peu peur quand on veut construire sa maison, reconnaît le chercheur. Néanmoins, le réemploi est indispensable pour préserver la planète de nos enfants. On pourrait d'ailleurs commencer par arrêter de surdimensionner les ouvrages. Selon ses calculs, en, ré en réutilisant les ressources issues de, des chantiers de déconstruction du secteur résidentiel, l'Île-de-France pourrait même exporter. Aïe aïe aïe. Les recherches de M. Ben Benfrage le conduisent fréquemment hors de son laboratoire pour voir comment elles s'appliquent chez les professionnels. Rendez-vous est donc pris chez Clemens à Villeparisis. Seine-et-Marne, dans une plateforme de recyclage installée entre l'autoroute et une zone commerciale. L'espèce de grosse machine à laver là sert pour les fonds de boue d'une soixantaine, soixantaine des toupies à béton que nous allons récupérer la nuit pour éviter les embouteillages de camions, expliqua Maury Cudeville, directeur du développement. C'est l'une de nos activités innovantes. L'entreprise a commencé à concasser le béton dès 87. Penser que 99 des produits à base de sable sont réemployés sous la chaussée des routes, ce n'est pas satisfaisant intellectuellement, assure-t-il. Le voilà qui se penche pour sauver une extrémiste, une falaine, du boulot, à une demi smelle de se faire écraser. Le quadragénaire, chargé de réfléchir à l'avenir du recyclage des matériaux, est diplômé en sciences et génie environnemental et attentif aux papillons. Voilà. C'est fini un peu, un peu brut comme tout à l'heure. Bon, ben bah voilà. C'est euh, une sacrée industrie, le sable. Euh. Il me reste un dernier truc à vous lire sur le sable. Vraiment, on aura fait. Euh, ça fera certainement 4, 4h30 sur le sable. Je pense qu'on euh, connaît tout. On connaît tout, on connaît tout. Et donc c'est un article. Un article pardon, que je tire de euh, euh, Social Terre. Euh, euh, dernier, dernier, dernier numéro paru. Bienvenue dans l'ère du rationnement. Je pense que Social c'est ma revue préférée. Et euh, je vous conseille de voir un peu ce qui se fait. Et je vous conseille aussi les, les hors-séries et euh, et aussi les super hors-séries, <laughs> euh, la collection bascule, qui est un format un peu bizarre. Mais euh, voilà. Donc euh, Socialter, je vous invite à, à regarder ce que c'est. Euh, politique. Si je devais catégoriser politiquement, c'est vraiment éco-socialiste, quoi. Clairement, euh. voilà. Sable, des crimes et des lits. Ah, ils font des bons jeux de mots aussi. Nécessaire à la fabrication des microprocesseurs, du verre, de l'asphalte et surtout du béton, le sable est la deuxième ressource naturelle la plus utilisée par l'humanité après l'eau. Ça, vous l'avez vu dans le premier épisode. Euh, alors que des interrogations sur ce matériau encore aisément accessible se, se font jour, les conséquences catastrophiques de son extraction dans nos rivières et sur nos plages sont-elles déjà connues Même bien connues donc, c'est juste deux pages. Enfin, non, quatre pages. Euh, toc, toc, toc. Qui vient frapper à la porte Le narrateur, habitant un appartement de Buenos Aires, ne connaît pas l'homme se présentant chez lui. Ah, donc on, on va en Argentine. On n'était pas encore allé. C'est parti. Non, euh, Buenos Aires, c'est au... Putain, non, c'est au. Oh, 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 oh. Non, c'est au Brésil. <laughs> non, c'est en Argentine. Oh là, oui, c'est la capitale d'Argentine. Oh là. là. Alors, c'est un Écossais, un vendeur itinérant aux apparences modestes qui tente d'écouler ses Bibles. Il n'est pas tombé sur le client le plus facile des Bibles, le narrateur du livre de sable en a déjà plusieurs. Le vendeur, dans cette célèbre nouvelle de Georges-Louis Borges, ne se démontre pas, ne se démonte pas. Il y, a un autre, il y a un autre ouvrage dont il cherche à se défaire. Le vendeur, le lui tend, émet le narrateur au défi de retrouver la première et la dernière page du livre. C'est impossible, il reste toujours quelques pages entre la couverture et la main du lecteur. Le nombre de pages de ce livre est exactement infini, explique le vendeur. Aucune n'est la première, aucune n'est la dernière. Le narrateur poursuit. Il me dit que son livre s'appelait Le livre de sable. Pourquoi Parce que ce livre, parce que ni ce livre ni le sable n'ont de commencement ni de fin. Borges se trompait. Le sable que l'on associe volontiers aux vacances, à l'enfance, au château que l'on bâtit pour les détruire ou les laisser disparaître dans les flots n'a rien d'infini, d'illimité ou d'éternel. Notre regard est induit en erreur par les images des étendues des plages et de l'immensité des régions désertiques comme celle du Sahara. Nous avons l'impression que le sable est une ressource très abondante et c'est globalement le cas. Mais il vient cruellement à manquer dans certaines régions et le rythme auquel il disparaît est préoccupant. La quantité que l'on utilise chaque année dépasse sa production naturelle. Nous sommes déjà en train de puiser dans notre capital, alerte Pascal Peduzzi, directeur du réseau Global Resource Information Database le grid, est responsable de différents rapports pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, le fameux PNE, consacré à l'extraction de sable. Des sables pour des rôles différents. Notre soif de sable paraît inextinguible, de l'asphalte, de nos routes aux panneaux solaires, de monumental barrage chinois des Trois Gorges aux processeurs microscopiques, tous requiert du sable pour devenir réalité. C'est le matériau solide le plus utilisé par l'humanité et la deuxième ressource naturelle la plus exploitée au monde, derrière l'eau. Selon l'un des rapports de PNUE paru en 2019, nous en consommerions déjà entre 40 et 50 milliards de tonnes par an dans le monde. Cela suffirait à recouvrir tout l'État de Californie, et c'est deux fois plus qu'une décennie plus tôt, souligne le journaliste américain Vince Beiser dans un livre publié en 2018. Ces données souffrent cependant de plusieurs approximations. D'abord, aucun pays n'a l'obligation de communiquer les quantités de sable extraites chaque année sur son territoire, si tant est qu'ils le connaissent. La majorité de ces ressources étant destinées au secteur de la construction et à la fabrication du béton, le PNE se fie donc à la production de ciment mondial assurée à près de 60% par la Chine. L'autre limite de ces chiffres est le fait qu'ils portent sur l'ensemble des ressources sableuses, qui comprennent les roches concassées et les graviers, en plus du sable prop proprement dit. Mais qu'est-ce que c'est précisément le sable, contrairement à la plupart des matériaux il ne, se il ne se restreint pas à sa composition chimique. Sa définition est granulométrique. En géologie, le sable est constitué de l'ensemble des grains mesurant entre 63 micromètres et 2 mm, précise Eric Chaumillon, professeur de géologie marine et littorale à l'Université de La Rochelle et co-auteur de La mer contre-attaque. Euh, je crois qu'on a déjà parlé de Chaumillon dans, dans un article précédent. Euh, la mer contre-attaque chez Plume de Carotte 2021. C'est mignon comme nom d'éditeur Plume de Carotte. Une part importante de ces grains est composée de calcaire, issu par exemple des débris de coquillages. La majorité des grains de sable sur la planète sont des grains de quartz, la forme cristallisée de la silice que l'on trouve particulièrement dans les granites. Lorsque les granites s'érodent, l'essentiel des grains se dissolve dans l'eau, mais pas les grains de quartz, inaltérables. Ces grains sont le plus souvent des fragments arrachés à des massifs rocheux par le vent et les précipitations avant d'être charriés par la pluie jusqu'aux rivières et aux océans. Une fois entre les mains de l'appareil industriel, tous les grains de sable ne se valent pas. Ceux utilisés à la conception du verre ou injectés dans le sol pour l'extraction d'hydrocarbures par fracturation hydraulique doivent avoir une teneur en silicium plus importante que leurs homologues servant à bâtir une maison. Pour fabriquer des panneaux solaires, ils doivent atteindre une pureté de 99,999999 Et pourtant, les puces électroniques ajoutaient trois neuf supplémentaires. Ah oui. Ces pourcentages ne sont obtenus qu'après avoir soumis le quartz aux flammes des fourneaux et à une série de procédés chimiques. Même le quartz le plus dur au monde, extrait à Spruce Pine en Caroline du Nord, subit ce traitement. Il y a de grandes chances que la puce se trouvant dans votre ordinateur ou votre téléphone portable ait été fabriquée à partir du quartz venu de ce coin perdu des Appalaches, précise Vine Paradoxalement, l'extraction de ce sable ultra riche en quartz rare et cher ne suscite pas les plus fortes inquiétudes. Sa demande mondiale ne s'élève qu'à quelques dizaines de milliers de tonnes par an, loin des quantités gargantuesques exploitées par le secteur du bâtiment depuis l'avènement du roi béton au XXe siècle. Selon une récente étude parue dans la revue Nature Sustainability, il a fallu 3,2 milliards de tonnes de sable en 2020 pour assouvir les besoins du secteur, et ce chiffre pourrait grimper à 4,5 milliards de tonnes d'ici 2060, une croissance de 45%, principalement liée à une hausse de la démographie et à l'urbanisation dans les pays en développement d'Afrique et d'Asie. Le trafic à bondo. Ce sable utilisé pour construire nos immeubles ne provient pas de désert, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Les grains battus par le vent sont trop polis et insuffisamment anguleux pour s'agglomérer entre eux. Il est donc extrait pour l'essentiel dans des rivières, des lacs, des mines à ciel ouvert, sur des littoraux et même au fond des océans. Du fait de la facilité d'accès à cette ressource, une part non négligeable du sable prélevé l'est prélevé en dehors des clous légaux. Au Maroc, on estime que le... « Sable extrait illégalement ou faisant l'objet d'un trafic représente 40 à 50% du total », indique Grégory Salle, auteur de « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» paru, au, paru au, au Seuil en 2022. Le chercheur du OCNRS met cependant en garde contre l'idée d'un cloisonnement total entre les extractions légales et illégales de sable. En se concentrant sur cette part d'illégalité, on sous-entend que l'extraction légale ne pose pas vraiment de problème, alors qu'en fait c'est l'exploitation du sable dans son ensemble qui en est la cause. En l'absence de régulation internationale, certains des projets les plus gourmands en sable de l'histoire ont été menés dans la plus stricte légalité avec et avec la bénédiction des autorités locales. Dans les années 2000, l'émir de Dubaï a ainsi œuvré à la conception de The World, un archipel de 300 îles formant un planisphère qui a nécessité le dragage de centaines de millions de tonnes de sable dans le golfe Persique. Donc, CF épisode précédent au tout début. Tout cela, pour être mis à l'arrêt et tourné au fiasco lors de la crise économique de 2008. La cité-État de Singapour, où la population en pleine croissance est à l'étroit, est quant à elle devenue le plus gros importateur de sable au monde en étendant artificiellement son territoire sur la mer. Pareil, CF première vidéo. Euh, elle a ainsi ajouté 137 km2 à son territoire en 45 ans grâce au sable fournis par ses voisins comme l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et le Cambodge. Ces pays ont fini par restreindre, voire interdire ses exportations vers Singapour. Pas de quoi refroidir les ardeurs expansionnistes de la cité-État. Elle, elle s'est simplement tournée vers le Myanmar et les Philippines. Tout en fermant les yeux sur le sable continuant d'affluer illégalement depuis les pays récalcitrants, qui ont vu de nombreuses plages et lits de rivières être dépouillés de leur sable. Interdite en France, l'extraction du sable dans le, lit, dans le lit mineur des rivières et des fleuves, c'est-à-dire le chenal où coule l'eau, est sans doute la pire façon d'obtenir du sable et la plus destructrice pour l'environnement, résume Vince Beiser. La destruction de l'habitat de la faune et de la flore vivant sous l'eau n'est pas la seule conséquence dramatique. Cela perturbe aussi l'ajustement morphodynamique, l'ajustement mutuel entre la forme du chenal et l'écoulement de l'eau dans le chenal, ajoute Eric Chaumillon. Cela bouleverse complètement les courants et modifie le transport des sédiments. De fil en aiguille, la morphologie et la bâtimérie du fleuve ou de la rivière sont transformées bien au-delà de l'extraction. Je vais juste regarder ce que c'est la bâtimérie. Je ne connais pas ce mot. La bâtimérie. La bâtimérie, c'est la science de la mesure des profondeurs et du relief de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la mer. Okay. Euh, cela va, va du micrométrique à des blocs pouvant faire des dizaines, voire des centaines de tonnes. Le béton de nos maisons sera-t-il un jour fait de sable groenlandais Pas ICF, premier euh, pr épisode. Euh, quand je dis premier épisode, c'est le, le Doom Focus numéro 1 à ce jour le transport des grains depuis l'île géante vers l'europe serait trop onéreux pour que cela soit envisageable il reste encore beaucoup de sable dans le monde mais il ne s'agit pas d'un f... sable facile à extraire et situé près des villes remarque windspeiser le problème est qu'il faut aller toujours plus loin toujours plus profond et cela va, produire... va conduire immanquablement à une envolée du prix à moins que l'on adopte en contre en... Entre temps d'autres matériaux de construction permettant de, li... de limiter nos besoins en béton comme le bois ou l'argile se focaliser uniquement sur les moyens de substitution on revient cependant à ne pas regarder la, le véritable problème en face pour Grégory Salle. Cela nous amène à ne pas se poser la question de notre niveau de consommation. Le sable serait un bon exemple pour la planification écologique, et qui dit planification écologique, dit régulation, mais aussi des formes de rationnement. Je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Évidemment, le chantier est tellement immense que je comprends que l'on n'ait pas envie de se lancer. Mais pendant ce temps, le, sable, le sablier continue de s'écouler. Donc là, on a une carte Estimation de la demande cumulée de sable entre 2020 et 2060. Donc, les plus gros demandeurs seraient euh, les Chinois, les Indiens, l'Afrique de l'Ouest, globalement, euh, la Russie, les États-Unis, le Moyen-Orient et nous, les Européens. Et les Australiens, tiens. Ah non, c'est les exportateurs, pardon. Donc, importation officielle de sable en 2020, c'est. Ah, le Canada est en deuxième place Ah ouais. Ils n'ont pas de sable. C'est Chine, Canada, Belgique, Jap... Belgique. Ah non. Ouais, donc en Belgique, ils ne doivent pas avoir beaucoup de sable non plus. Japon, Allemagne. Bon, ben bah voilà, je m'arrête là pour la vidéo YouTube. Euh, ce sera la 1.5, le, le Doom Focus 1.5. À la prochaine pour, euh, pour toujours plus d'informations sur l'effondrement et les risques d'effondrement. Et puis, n'hésitez pas à revenir, euh, je parle à YouTube, n'hésitez pas à venir le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h sur Twitch, sur la chaîne Le Canfrier. A plus.